Toujours à Wuhan, un nouvel hôpital a été construit à partir du soir du 23 janvier pour admettre spécialement les patients atteints du coronavirus. Cet établissement médical, qui s'appellera l'hôpital Huoshenshan, aura une superficie de 25 000 mètres carrés et comptera 1 000 lits. Plus de 900 personnes et plus de 260 engins travaillent 24 heures sur 24 afin d'achever les travaux d'ici 10 jours. Où en est la construction? C'est une vidéo filmée par Volodymyr Alexander Chevchuk, un Français résidant à Wuhan.